CST une photo sépia, où l'on aperçoit Diana aux côtés de son frère, Charles Spencer. La mère de William et Harry a les bras croisés, semble agacée alors que son jeune frère garde un visage de marbre. Charles Spencer est tombé sur ce rare cliché qui circulait sur la toile. Il s'est alors emparé de son compte Twitter pour repartager le post d'un internaute qui avait commenté la photo ainsi, ce jour où Diana et son frère avaient l'air de poser pour la couverture d'un album des Smiths. Tellement cool. Le frère de la princesse des cœurs a expliqué les circonstances dans lesquelles le cliché a été pris. Cette photo date de la fin de l'année 1980. Diana venait de rencontrer le prince Charles, Charles Spencer, lui, n'était âgé que de 16 ans. Diana avait rejoint son petit frère pour partager un moment avec lui. Merci d'avoir transmis ceci, c'était fin 1980, j'avais 16 ans et ma sœur venait me chercher au lycée d'Eton pour déjeuner au restaurant Einzettbray. Débute-t-il avant d'expliquer pourquoi les deux jeunes ont le visage si fermé, sa mini-métro était suivie par 12 voitures et une moto d'un journaliste de tabloïd. De quoi rendre n'importe quelle adolescente aussi dédaigneux que Morrissey, franchement, déclare-t-il en faisant référence au chanteur des Smiths. Lady disciple de la presse People et des tabloïds toute sa vie malheureusement, jusqu'à la fin tragique de sa vie, Lady Di a été la cible de la presse People et des tabloïds. Depuis la mort de sa sœur, Charles Spencer s'efforce d'honorer sa mémoire, j'estime qu'il est de mon devoir de la défendre quand je le peux. Elle m'a par exemple laissé comme tuteur de ses fils, donc je sens qu'une confiance a été transmise. Et nous avons grandi ensemble, vous savez que si vous grandissez avec quelqu'un, si estime toujours cette personne, peu importe ce qui lui arrive plus tard. Alors oui, je sens que j'ai un rôle à jouer pour honorer sa mémoire, avait-il expliqué sur le plateau de Love Your Weekend.